Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui dans la procédure sculptrice nous allons voir le numéro 10 qui portera sur l'outil Translate et Rotate Donc en fait vous pouvez voir ici qu'on a notre petit personnage, donc c'est notre petit monstre qu'on avait commencé à créer hein, ou on a presque fini, on va dire comme je disais moi je suis pas trop dessinateur donc je m'amuse à faire des personnages un peu délirants mais ce qui va nous intéresser vous voyez c'est ici, on a les outils donc euh, Translate, on a les outils Rotate et on a les outils Grab donc, le, le but va être de s'amuser tout simplement à déformer l'oreille de notre personnage afin de pouvoir utiliser ces trois outils. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Donc, nous voici sur Sculptris, comme vous pouvez voir, on a toujours notre petit personnage. Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement déformer, comme je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, les oreilles de notre personnage. Donc, là, on va se mettre comme ça. Donc, ici, on va prendre l'outil Rotate, on va cliquer dessus, touche raccourci R. Donc, vous avez soit global activé, soit désactivé. Regardez, c'est-à-dire qu'ici, là, quand il n'est pas activé, vous allez tout simplement faire une, faire une rotation au niveau de la matière. Donc on va le faire de suite, vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Donc rappelez-vous, touche raccourci, contrôle afin de créer le masque. Vous voyez, on va juste bien colorier l'oreille de notre personnage. Et maintenant j'appuie sur R. Là je suis en mode rotation euh, globale. Donc si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Je me mets comme ça. J'ai automatiquement un personnage qui va enfin, être en rotation. Pourquoi Parce que là je suis sur front, vous le voyez en bas. Si maintenant je désactive le rotate, j'ai cette fois-ci, donc je vais faire en sorte d'appuyer sur CTRL pour désactiver mon oreille. Cette fois-ci, vous voyez, je vais pouvoir faire subir une rotation juste à la partie masquée ou cachée, on va dire. Donc là, je fais CTRL Z afin de revenir à quelque chose de plus sympathique avant que ma rotation se fasse. Voilà. Donc là, je vais recommencer, j'appuie sur la touche CTRL, et cette fois-ci, je vais faire subir une rotation. Donc R, mais pas R en global. Hein. Et là, vous voyez, on va pouvoir, avec cet outil-là, et G pour Grab, rappelez-vous. Hein. Donc là, je me mets en mode, par contre, voilà, encore R, donc R non global, hein, pour pouvoir faire subir une rotation à notre oreille. G, pardon, je recommence. G, mais en mode global, sinon... Pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, je recommence. Voilà. Donc on a dit G. Faites vraiment attention à ça. G hein. en mode global ou G en mode euh, normal. Vous aurez compris, en mode global, vous déplacez l'objet et en mode euh, désactivé, vous déplacez que la sélection. Si on regarde un petit peu au niveau de la rotation, donc on va venir ici au niveau de la rotation. On va quitter le masque. Voilà, parfait. Donc là, je le remets à peu près dans l'état qui va bien. Ici, comme je vous disais, Rotate en mode global, on va faire une rotation au niveau de l'axe front, c'est-à-dire l'axe de devant. Regardez, je le refais. Donc là, si on veut vraiment le. Voilà, là, il est bien mis. Parfait. Regardons maintenant une option intéressante. Donc ici, vous voyez, quand on clique sur Rotate, on a ici le miroir. Alors le miroir, attention, c'est tout simplement un effet qui va faire de symétrie. Regardez, je vais vous montrer par exemple sur le rocher. Donc je fais CTRL D afin de masquer tout le monde. Je sélectionne mon rocher. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait deux parties. Si je clique ici sur miroir, vous allez voir ce qui va se passer. Il va automatiquement, vous voyez, il va faire en sorte que la gauche devienne la droite et la droite devienne la gauche. Donc évidemment, ça déforme tout. Donc là, je fais pomme Z pour revenir. Là où c'est intéressant, c'est plutôt au niveau des yeux, par exemple. Imaginons que vous ayez fait des yeux assez intéressants. Bon là, on ne va pas voir grand-chose, mais ce seraient des yeux plus allongés. Si vous cliquez sur le miroir, je zoome pour que vous puissiez bien voir. Vous avez vu, on a la forme des yeux qui change. Donc ça peut être une option intéressante. Me remets en mode normal et je fais CTRL A. Si on regarde maintenant au niveau de l'outil Scale, donc l'outil Scale, vous l'aurez compris, si je fais touche raccourci T pour euh, redimensionner mon objet, vous voyez, donc je clique dessus en global, bien évidemment. Alors je me mets en global et là je peux. Resizez mon personnage, c'est-à-dire redimensionner mon personnage. Ici, au niveau de X, Y, Z, c'est tout simplement, en fin de compte, selon l'axe que vous voulez redimensionner. Regardez, je vais faire en sorte de décocher ici. Et là, en fin de compte, je vais redimensionner selon la position de ma souris. Vous voyez, je suis sur l'axe, on va dire X. Alors, attendez, je vais me mettre bien. Si bien. Voilà. Là, je suis sur l'axe X. Donc, je redimensionne comme ça. Ici, si je fais comme ça, je redimensionne comme ça. Vous voyez, Shipper est en train de. Et si je fais. Euh... Donc le troisième axe, ça serait par là, dans ces cas-là, voilà, et je me mets par là. Et vous voyez, voilà à quoi ça va servir. Donc si par contre, je reclique ici, vous voyez, on resize sur les trois euh, axes, c'est-à-dire X, Y, Z. Donc vous l'aurez compris, ici, on, le rotate va permettre de faire une rotation de votre objet ou tout simplement de la partie sélectionnée. Le scale va permettre tout simplement de scaler, c'est-à-dire de redimensionner votre objet selon les axes X, Y, Z, ou alors... En cliquant ici sur X Y Z, c'est-à-dire touche S, vous allez pouvoir redimensionner selon la position de votre souris, tout simplement. Et bien évidemment, la touche Grab, c'est-à-dire le raccourci Grab ou l'outil Grab, euh, je vous ai fait deux cours là-dessus, donc maintenant vous le connaissez très bien. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ici. vous Voyez, on a les différents éléments, c'est-à-dire reduce, euh, reduce select. Euh, on verra, c'est à part l'outil masque, on a vu pas mal de choses. La symétrie, on le verra un petit peu à part, histoire de vous expliquer un peu mieux comment ça marche. Mais on verra. en fait compte ces trois icônes c'est reduce Bros, reduce select, Subdivide all et wireframe. Euh, je ne vous montrerai pas euh, sur le site internet le fichier zip, puisqu'on n'a on rien fait au niveau de la modification. À vous aussi de jouer avec, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye